Rollers et skates ont maintenant leur piste et leurs jeunes adeptes peuvent évoluer en toute sécurité. Découverte d'un nouveau lieu de rendez-vous. De cette installation, c'est une bonne installation. À part que ce matin on avait une réunion avec monsieur Jouglin, hein, oui. Pour penser, pour voir ce que l'on pensait, et nous avons donné quelques défauts quand même. Par exemple, les trottinettes, les trottinettes, les BMX. Mais non, abîme, BMX, pourquoi les trottinettes abîment tout le parquet. Ça raye le revêtement. Ensuite, les plaques qui se relèvent, qui ont été mal fixées. Ouais. Comme là, une vis là, qui s'est enlevée. Ici, là. Non, cette vis s'est enlevée. Non, mais sinon, c'est mieux qu'avant, quand même. Ouais, sinon, c'est largement mieux qu'avant. Il n'y avait pas ça, franchement. Il n'y avait pas ça, c'est clair que c'est mieux. Et est-ce que vous n'avez pas peur? Ça ne vous semble pas dangereux? Non, pas trop. À part la cour, pour ceux qui débutent, mais sinon, non, ça va. Parce que vous n'avez pas de protection, là, vous n'avez pas de casque. Si, mais on n'est pas trop obligé d'en mettre, quoi. Moi, j'aime pas la protection. En plus, c'est pas pratique. C'est ouvert depuis combien de temps, là? Depuis mardi, la semaine dernière. Vendredi à 5h. Vendredi à 5h. Et personne n'est tombé encore? Non. Enfin, personne ne s'est fait mal, du moins. Si. Il y a eu une entorse de la cheville, mardi matin. Moi, je me suis fait mal. Il s'est tordu la cheville. Ou sinon des petites ouvertures. Moi, sur le dos, mais c'est pas grave. Pas des graves. Merci.